Par contre, j'en ai marre de faire une bonne run et au niveau, à l'étage de du temps, je me fais soulever la gueule en fait. C'est très chiant. C'est très très chiant. Non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est très chiant. Genre les mobs sont tellement tankés. Je sais, je vais le redire et je m'en plains tout le temps, mais... La troisième crise, c'est là où il y a les stats de défense par rapport aux sbires. C'est insupportable. Ça te supprime tellement de stuff possible. Tout ce qui est à base de multi-hit et tout ce qui est à base d'éclair, tout ça, ben, ça sert plus à rien. Parce que à l'étage du temps, les mobs ont 10 de défense. Donc tout ce qui est coût inférieur à 10, et là j'en avais pas mal, et ben, ça fait 0 de dégâts. Et c'est chiant. C'est très très chiant. En fait, t'es obligé de jouer avec des énormes coups qui DPS comme des bâtards pour qu'à l'étage du temps, tu puisses passer correctement. Sauf que si tu joues avec des énormes coups qui DPS comme des bâtards, ben, c'est des attaques qui sont très très lentes et tu peux pas jouer ça parce que ben, les ennemis te chopent direct. Donc, c'est très très chiant. J'aurais préféré qu'ils mettent 20-30% HP aux ennemis et ça va venir, et ça va sûrement venir avec les crises autres. Mais la défense, vraiment, c'est en trop, quoi. C'est vraiment trop chiant. Tu es sans ennemi en moins de 15 minutes, c'est bien, mais en fait, ça veut dire que le prix minimum, je l'ai au deuxième étage, pas au premier. Bonnes affaires, 52 sous la rive pour prendre 10 de dégâts. Ah, mais ça relance tout. On est d'accord. On va prendre ça. Est-ce qu'on peut avoir un sous la rive ? Tuer 30 ennemis sans prendre de dégâts, oui. Attends, ne soyons pas cons. Vaincre le premier fléau sans se faire toucher. Sinon je perds 25 balles, oui. C'est mieux. Terminer le monde de 2 sans prendre de dégâts, ça veut dire qu'il faut pas que je me fasse toucher. Hein. Mais pourquoi en violet j'ai toujours ce sort de merde? C'est fou ça, ça c'est le café, c'est ça? Il me semble. Il me semble que c'est le café. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc pas mauvais en soi, hein, parce que du coup je fais ça. Voilà. En fait, je perds 15 de vie pour en régénérer 30. Donc, clairement, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus insane. On peut jouer l'ombrelle parce que... Parce que je peux jouer défense avec l'ombrelle. Et j'aime bien jouer défense. On va jouer l'ombrelle. On va jouer l'ombrelle, c'est parti. My Umbrella. Alors, faut pas que je me fasse toucher, c'est ça? Le premier fléau est terminer le monde 2 sans me faire toucher. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bien. Obligé de me focus un petit peu parce que pour les deux premiers levels, il va falloir que je me fasse pas toucher. J'ai pas de spell pour taper à distance, on va dire. On est full life, ok. Alors. Un PV max à chaque sortie d'ascenseur, c'est très bien de l'avoir maintenant parce que c'est là où on en aura le plus. C'est pas très rentable, plus un PV c'est vraiment pas rentable, mais on prend plus 7 ou 8 PV par monde, c'est ça? 3, 4, 5 PV par monde, du coup c'est pas ouf. Et le 6ème après le boss quoi. On va prendre le Soulari Prismium, si je peux avoir beaucoup de Prismium dès le départ, c'est très intéressant. Vraiment, on va booster la défense, on va essayer d'avoir des trucs sur la riposte.
ça arrivait tard, ça. Ah, le truc ici, tac, qu'est-ce qu'on a? Alors pourquoi pas, mais c'est à l'heure que je voulais les trucs légendaires. C'est le sélénite qui fait que tes trucs légendaires font plus de dégâts. Ok. Et on a le marteau. Oh, je me trompais. C'est ça que je voulais faire. C'est pas très grave, mais je me trompais. Très bien, il a commencé à taper alors que j'étais pas encore là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soulari. Dépôt d'animal prestige, équipement, chambre forte. Pas que je me fasse toucher du juste. Le café, c'est bien pour se régénérer, tout simplement, c'est pas mal. On manque de PV max après, mais c'est bien pour se régénérer. Ça, je vais le garder pour le moment. Je vois pas mieux, donc... Animal prestige, allez, vas-y. Allez, vas-y! On va récupérer des animaux jaunes pour pouvoir les mettre dans le truc du médaillon, là. T'as le nombre de parties que j'aurais pu terminer si juste j'étais pas allé voir la vie, quoi. Mais bon... Book. On a du café ici, très bien. Le croule ciel. Il est bien celui-là. On va faire comme ça. On a un bon sort là. Qui va bien m'aider à DPS. Tant pis pour la régène. En vrai, c'est très con ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que si je pars sur le build que je veux faire. Avoir de la régène avec les cafés, c'était excellent. Après, c'est pas de la régène sur les PV max, donc bon. Ok, on a rien ici. Allez, saute, s'il te plaît, merci. Ben oui, tu peux y aller, que j'ai trois animaux, hein. Tu peux y aller, hein. Oh, les bâtards. J'en ai que deux. C'est dégueulasse de faire ça, c'est dégueulasse de faire ça. C'est de la chance, entre guillemets, hein, d'en avoir trois d'un coup. Sauf que je joue en crise 5, donc je m'en possédais que deux au lieu de trois de base. Et surtout, j'en ai pas... Enfin, j'en ai déjà, quoi. Donc bon... C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Parce que c'est sûr et certain que quand j'en aurai besoin, j'aurai pas ce que je veux, quoi. C'est tellement sûr et certain qu'au dernier étage, j'aurai pas ça. J'aurai pas le triple animadoré.
Y'a rien. Très bien. Allez, donne-moi ça. On y va. Lui, il m'a pété la gueule, lui. Enfin hier, c'était même pas avant-hier, c'était hier, il m'a tué. Il m'a littéralement tué. Et j'avais jamais perdu contre lui. Putain, j'aurais dû récupérer ça avant. Quel connard, j'aurais dû récupérer ça avant. J'aurais eu 3 animaux. C'est pas grave, si j'en ai d'autres, vous allez voir qu'à partir de maintenant, je ne vais pas en avoir d'autres. Si j'en ai d'autres, je pourrais... faire le casier de la salle de pause direct, ça sera bien. Bleu à 37, ça vaut 40 s'il y a une amélioration, mais sans amélioration, ça ne vaut pas le coup. Allez. Parti pour Brad. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Brad version énervée. Prochaine fois que je vais le croiser, je pense qu'il va me péter la gueule parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué que je m'en rappelle pas. Je résume, tu as décidé de laisser passer toutes les nouvelles âmes. Mais en plus, tu passes tes journées à poster des âneries sur ton temps de travail. C'est la Yes Life ça, mais vous êtes en mode relou, perpétuagénaire, vous pouvez pas comprendre. Je vais envoyer dans la gueule et ça me fait rire. Non mais sans déconner, sans déconner. C'est relou, je vais arrêter de jouer les faux qui sont différentes de la faux classique, on dirait qu'elles sont pas étudiées quoi, enfin qu'elles sont pas travaillées. J'ai voulu dash et j'ai pas pu cancel mon coup de nombre là quoi. C'est très relou quoi. C'est très relou. Parce que moi, dans mon esprit, en fait, je sais qu'il va frapper. Juste, je lâche à travers et puis on est bon, quoi. Mais non. En fait, je suis en train de taper à mon umbrella, quoi. Mon parapluie, putain, j'avais plus le mot en français, c'est terrible. Une ombrelle aussi, sinon. Ce qui n'est pas la même chose qu'un parapluie. Alors. Ah! La vie de ma mère! J'ai le manqué le coude. Assurance vie, c'est pas mal. 20 de dégâts sur les premiers hits. Sinon, on va jouer la foudre. Tu sais quoi? On va jouer la foudre, on va plus en la foutre. La foudre fera 0 de dégâts, je le sais. Elle fait 3 points de dégâts. Là, on arrive au deuxième étage. Du coup, les ennemis font ont 3 d'armure. Ou 5, je sais plus. Dans tous les cas, les 3 de dégâts ne serviront à rien. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'aime bien m'emmerder. Allez, on part sur du vert, donc pollution industrielle. Je suis des genoux. Je pense que vous êtes content de le savoir, mais je suis des genoux. Mais touche-le.
Merci bien. Allez. Sa vis vita mana, je pense que oui. Ouais, go. Là, faut que je vise les malédictions, en fait. Enfin, comme d'hab, en vrai, je vise tout le temps les malédictions, mais... Là, faut que j'augmente les dégâts des sorts, faut que j'augmente... faut que je trouve du saignement, aussi. Il faut que je trouve... Et il faut que je trouve du des effets de riposte. C'était super compliqué. HP. Alors, chambre forte, Soulary, Vital Mana, Soulary. Je veux les thunes. Je veux améliorer mes spells au maximum. Mais c'est de me taper le petit fourbe. Ok, on a récupéré des anima, c'est très bien. Un prismium ça aurait été bien, mais il faut vraiment que je prenne des malédictions. Il avait tiré. Du coup, j'ai juste dash dans son truc. Let's go, ça fait plaisir. Un maximum de blagues. Putain, de barres et de blagues en même temps. Allez, tiens, il pleut. Regarde. C'est chiant la pluie, hein. Ok. Je ne contre pas ça, je voulais vérifier. Oh, le dash dans le mauvais sens, ça fait plaisir ça. On y a été classique, on y a été de manière safe, mais ça s'est très bien passé. Au final, on est bien. On est très bien. Alors, réduit à 1 les dégâts inférieurs à 10, je pense que je vais prendre ça. L'attaque chargée de la faux. Effet périodique. Il y a que des bons trucs en fait. Hein. Je vais reroll ça.
Très bien ça. Les sorts infligent 4 de dégâts bonus, sachant que ma foudre est considérée comme un sort. Ma foudre va faire 7 de dégâts au lieu de 3. Donc, tant que les ennemis n'ont que 5 d'armure, je ferai quand même un petit peu de dégâts avec. Ce qui est pas ouf quand même. Ce qui est clairement pas ouf. Mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Raté. J'aurais dû la consommer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Dommage. Très bien, on peut se faire le plein d'anima, on peut se remettre full life si on veut. Les teenagers obtiennent 500 PV max, non merci. Très très bien. Donc là, chaque minute, je récupère une anima bleue. Attends, mais je suis au deuxième niveau, j'ai un magasin, je me fais baiser. Pourquoi j'ai pas le choix avec le local technique? Je me fais baiser. Bon, au moins je vends ça, mais je me fais baiser quand même quoi. 37 pour ça, non merci. Pour 9 balles, ouais, vas-y, je prends. Je me suis fait baiser, quoi. Ça m'intéresse pas, mais je prends ça. Ce que je veux, c'est du saignement, c'est des dégâts supplémentaires sur la riposte. C'est des vies supplémentaires sur la riposte. Vu que j'ai un moyen de me mettre full life en permanence, je veux la riposte, clairement. Je dois faire 90% du chiffre d'affaires de Death Inc. à moi tout seul et vous venez quand même me les péter. Faisons un petit one-to-one pour couper court à ton impertinence. Je suis pète. Je vais péter. Incroyable. Raté, c'était gênant. Dommage ça. Oh merde, je regardais ma jolie anima se remettre se mettre en haut. Oh, je vais crever. J'ai pas le droit de mourir. J'ai absolument pas le droit de mourir. Le bouton. J'ai absolument pas le droit de mourir. C'est honteux si je meurs.
Tu es responsable de 90% du désastre. On ralentit la cadence. Sinon, c'est le business qui va couler. Mais pas trop, si on délocalise... Attendez, non. Si on vire 52 employés de... Oh, ok, c'est tombé. Alors... Je mets 35 après avoir pris un coup. Si je joue riposte et tout ça, oui, c'est bien. C'est pas ce que je veux, mais oui, c'est bien. On va attendre de récupérer l'anima. Voilà. Hop. On récupère un peu d'HP et c'est parti. Cette partie va être longue. Hein. Je vous assure que on va essayer de se mettre assez haut HP, plus ou moins en permanence. Plus 10 de dégâts pendant 10 minutes. Non merci. Et du coup là le temps ne passe pas donc je ne peux pas tricher. Je vais prendre ça parce que je veux les... je veux la riposte, je veux les dégâts sur la riposte. Dès que j'ai un local technique je peux bourrer l'ombrelle et du coup j'aurai de la défense. D'accord, c'est gênant ça. C'est gênant de me taper la tête sur le mur. Mais j'ai fait ça? D'accord, ça met tellement de temps à partir. Très bien, faut que je me concentre, je suis désolé, on va pas trop parler là, mais... On a la reine qui est là, très bien. Il y a toujours une reine dans les niveaux. Allez, on y croit, le niveau de jeu il est là, faut juste que je reste focus et puis on est bon quoi. Sans déconner, le jeu je connais plus ou moins tous les patterns des boss. Voilà. Très bien. Et du mana. Mon éclair, il fait combien de mana? Il prend 45, ok. Donc tant que j'ai pas plus de 90, ça me sert à rien d'avoir du mana. Ok. C'est parti pour le petit molardon, encore une fois. Et je me suis gratté la jambe avec un ongle qui n'existe pas. Je me suis fait saigner. Incroyable. Faut que je mette des filtres parce que je dis tout ce qui me passe par la tête, mais on s'en fout un petit peu. Les ennemis. Pardon? Non mais l'explosion est déjà passée, le nuage ça va, s'il fait des dégâts le nuage depuis quand nique, merde.
C'est gênant. Allez, putain. Oh, l'ombrelle. Oh, allez, saute. Ok, on va prendre ça. Ok. C'était close le compteur, mais bon. Pas le compteur, le renvoi. Pourquoi chardage dessus? Le meilleur moyen de prendre un hit. Bonjour Bouga. T'as fini ton deuxième Dead God? Incroyable. Bravo à toi. Bravo, bravo, plus qu'un. Plus qu'un et tu feras partie du cercle très fermé des gens qui ont fait 3 Dead God ou plus. Très bien. C'était plus ou moins facile. Allez, 70 de mana. T'en as pas trop chié pour terminer les derniers trucs. Je prends. Oh putain, on a un riposte là. Les sorts qui infligent 10 points de dégâts bonus, c'est excellent parce que ça veut dire que la foudre ferait 10 points de dégâts bonus. Mais la riposte, c'est pas ce qu'on veut, mais la riposte, pourquoi pas, quoi. En vrai, j'ai peur que si j'ai 7 ripostes, j'obtienne pas la riposte des dégâts. Parce que je préfère la riposte des dégâts plutôt que des PV permanents. En vrai, de vrai, on va faire ça. Vas-y. Il faut que je trouve de quoi reroll aussi. Chambre forte, service mana, dépôt d'anima. Service mana, parce que les animas on va les avoir au fil du temps, donc tout va bien. Toutes les minutes j'ai une anima qui pop. Donc pour remplir ma barre actuelle il me faut 6 minutes, quand je suis full vide. Mais ça va le faire, ça va le faire. Pourquoi il a pas sauté Bien. Faut pas se reposer ici. Hein. J'attends une anima. J'attends l'anima dorée qui va arriver au pro dans 25 secondes à peu près. J'ai l'impression d'être dans Oxygen Not Included. Genre la chaleur qui stagne, qui stagne, qui stagne et qui ne s'en va jamais. Malgré les moyens que tu mets en place. Hop, on prend la dorée, comme ça on récupère des HP max. Tout ça pour une dorée. Zuber. Donc la foudre fait 10 de dégâts supplémentaires, donc 12. On va aller voir ici. Très bien. Très très bien ça. Parce que du coup ce que je peux faire c'est ça. Tac, tac. Voilà, on se remet quasiment full life, on est bien. Et on va partir là-dessus. Bien, 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 bien. Du mana, encore une fois, on a 80. Il me faut 91. Bon, on a 90. En vrai, je peux tirer 3 fois.
Parce que tant que le temps de rechargement de l'éclair revienne, j'ai récupéré un mana, donc c'est bon. Stock d'équipement, non. Service de relance malédiction, absolument. Parce que il faut. Enfin, je cherche un stuff vraiment spécifique, donc il faut que je relance. D'accord. J'ai raté. J'ai glissé, chef. Raoult. Sous l'ongle Dr. Raoult. Ah, je tape pas celui qui est en haut. Merde. Ok, elle est là. On va faire ça. Pardon ? Genre là dans l'angle ça passe pas, fallait sauter. Bon déjà on peut se soigner. Oh, sérieux le jeu t'es un FTP, sans déconner. Ça il faudrait qu'il le code. Je sais pas mais c'est trop chiant. Genre tes salles secrètes elles sont hyper dures à trouver. Quand tu les trouves ils te font un souhait, ce qui est extrêmement rare pour l'ouvrir. Et en fait t'es même pas assuré d'avoir un truc bien quoi. Quand t'es full life, enlever, pitié enlever ce genre de truc quoi. Là j'ai de quoi me soigner mais j'en ai à branler, je suis full life. Je sacrifie un soin pour rien parce que je suis full life et en plus, dans la salle, il y a rien en fait. C'est vraiment trop chiant. Ça fait 3 secrets que j'ouvre, 3 fois que je suis déçu. Je vais arrêter de les ouvrir en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai failli me faire toucher. Donc là encore, heureux que je puisse recharger mes anima en attendant juste une minute. Parce que j'en ai cramé deux quand même, parce que la première, bon, je la fous dans le guide parce que c'était, il fallait pas être dans l'angle du mur, il fallait sauter en fait, ça aussi, hein. Et cramer deux animaux pour rien, ça fout le seum en fait, hein. On est bon, j'ai pas été là, ah ouais. C'est déjà que je joue mal en ce moment, quoi. Je peux dash pendant le saut. Ça, c'est excellent, par contre. Je peux dash pendant toute l'animation. Ok, c'est très très bien, ça. Parce que même si le spell, il est pas très fort en soi, parce que c'est un spell légendaire qui fait à peine 100 de dégâts, ce qui est pas ouf, hein. Le fait que je puisse cancel n'importe quel moment de l'animation, c'est très très fort. Je sais pas pourquoi les dégâts ont touché après, mais... Ça touche pas. G9. Mais non, mais voilà. S'il fait. Pas mal. Le triple hit sur le médecin. Bon, au moins, on a assez de mana pour faire 3 éclairs. C'est cool. Mais je peux pas les spammer non plus, donc... Ah, putain. Ouais, service relance malédiction, allez. En fait, je vais les privilégier aux malédictions elles-mêmes. Pour que quand j'ai une malédiction, j'ai le choix. Même s'il est vrai quand je suis pas obligé de prendre une malédiction, c'est pas parce que je la vois que je suis condamné à la prendre. Je peux aussi partir sans récupérer de malédiction, quoi. Y'a rien en bas.
Y'a rien. Y'a rien. Ok. Plutôt tranquille. On a 4, très bien. C'est déjà ça. 4 relances malédiction. On va faire le local technique, enfin. Le premier au bout de 3 mondes, c'est quand même beaucoup. Hein. Et on va pouvoir se mettre de la défense. Ah, c'est pas avec le Prismium ? Ah, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Un 5 de défense. Et là, c'est quoi du coup? C'est renvoie les projectiles ennemis à chaque déviation de coup. Et je me demande si obtenez 3 de défense chaque déviation de coup, est-ce que c'est temporaire ou pas? Parce que c'est pas marqué obtenez temporairement 3 de défense. Et si c'est plus 3 de défense flat à chaque fois que tu dévies un coup, mamma mia quoi. Et ça, c'est très fort. Le niveau 3 invoque un crachin d'acier périodiquement. Le crachin d'acier, c'est grosso modo l'ulti. Là, on aura une petite zone d'ulti, toute petite, de manière périodique, et c'est très très bien, quoi. Ouais, le Prismium, je vais pas l'utiliser. On va pas l'utiliser. Il fait chaud. Je vais me chercher ma bouteille d'eau. Je l'ai mis au frigo, et du coup, elle va être fraîche, ça va faire du bien. Quoi. Il fait 31 dans l'appart, c'est terrible. Juste pour me foutre le seum, dehors il fait combien? Dehors il fait 24. Ah putain, c'est pas l'hiver que ça marche comme ça. Hein. Il est tellement mal isolé qu'il est isolé à l'envers ce qu'on le truc. Genre là j'ai 7 degrés de plus que dehors. L'hiver, tu peux y aller que j'ai pas 7 degrés de plus que dehors. Hein. En vrai, si, mais c'est parce qu'on chauffe. Allez, on va récupérer une petite anima. Et let's go. Trois. Ah, 5. Déjà 5 variants, patron. D'accord. Quelle est la conclusion sur cet état de fait? J'en pince déjà pour le 6e. Projet... Projetez-vous dans le sel de la maladie. Tiens, mange la foudre. Tiens. Ok, bâtard. Thank you.
Ok. J'ai focus, mais ça s'est bien passé. Ma conclusion personnelle, Andy, c'est que les variants, le chaos et la désinformation, va falloir arrêter. Vraiment ? Très sérieusement, ouais. Allez, on récupère des HP. J'ai pas de HP max en fait. Ça, c'est bien pour la foudre. Hein. Sauf que si j'ai des dégâts avec la proc sur la foudre aussi, c'est bien. C'est pas celui-là que je veux. Tant pis. Très déçu. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le riposte des dégâts aurait été tellement bien. Vu que j'ai du soin illimité en fait. Faut juste que je prenne du temps, mais le soin est illimité. Ça aurait été tellement bien. Ça, ça aurait été en prochain étage aussi, mais bon. On va le prendre maintenant. On est d'accord, j'ai les trois parties de médaillon. On est bon. Je vais partir sur le rouge parce que je veux absolument la riposte qui, par rapport aux dégâts. En fait, c'est quoi ? On met mon build est basé là-dessus. Donc là, j'arrive quand même à avoir quelques dégâts, je ne sais pas comment, mais j'en ai quand même quelques-uns. Mais ça va se voir quoi. Ça va se voir que j'ai rien d'autre. Du café ici. Ça m'a touché, très bien, c'est pas grave. Est-ce que par hasard il y a la salle secrète? Non. Tant pis. Il est monté ce con. Il me manque un gros morceau, hein. Il me semble bien. Faut arrêter de me contrer la gueule, hein. On va récupérer le café que j'avais laissé. Voilà, c'était par là. C'était par là. Let's go. Petite anima, oui, allez.
Je vais prendre le doré de suite. Voilà. Donc on a trois animaux verts. Dépôt sous la riz. Ouais. J'aurai pas les 350 de pognon avant la prochaine locale technique, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. J'ai voulu dash, je me suis accroché au bord. C'est dommage. Hop là. Une anima. Voilà, voilà. Alors, je dis pas que c'est gagné pour autant, par contre. Hein. Parce que, oui, je peux entamer n'importe quel boss en étant full life, mais j'ai pas beaucoup d'HP et surtout, j'ai pas de dégâts. Donc, bon. Un point de mana temporaire, je m'en fous. M'en fous complètement. ...170 HP du coup. Sa vie se relance malédiction toujours. Après, peut-être que la riposte des dégâts est trop... Enfin, elle arrive plus tard. Je suis qu'à 1 de rouge, en fait. C'est peut-être ça, le souci. Hein. Ah, ça me touche, bah, super. Ça, c'est la meilleure, ça. J'y reste là pour voir. Bien joué, ça. Voilà. Bébé. 271 balles. Ça sera pas suffisant malheureusement. Je suis en train de capter que j'ai pas eu un seul HP up de la run, à part les boss. Mais ça, les boss ils sont obligatoires donc. Et heureusement que j'ai ma malédiction qui me donne plus un PV à chaque ascenseur parce que sinon. Ah ben j'aurais facilement 15 PV de moins. Alors, local technique, non. On a le bureau de teenager et ça m'intéresse. Allez.
Ça devrait aller si je prends mon temps, elle devrait pas me toucher, mais il faut que je prenne mon temps, il faut pas que je tilte si jamais je commence à prendre des dégâts. Ça arrive de mal jouer. J'arrête pas de faire ça depuis hier. Je vais récupérer ça après. C'est un sac de thunes, mais il faut que je me fasse pas toucher pour le et que je l'amène à la fin de l'étage pour récupérer les thunes. Oh, il y a un coup de plus. Pas prévu. Mais pas par là, pourquoi il a dash par là? Tu veux pas mourir s'il te plaît? J'ai failli canner. J'ai utilisé 4 animas, 5 animas, je sais pas. J'ai failli canner. C'est prodigieux. J'ai pas l'impression de mettre des focus ni rien, donc intéressant. Intéressant. On va reroll ça. Ouais. On a un orbital. Je ne connais pas sa fréquence de hit, mais ça peut être intéressant. Vous savez quoi? Je vais attendre. Alors on peut pas atteindre indéfiniment, on a vu la dernière fois que le jeu se met en pause tout seul en fait si tu restes AFK trop longtemps. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour éviter la triche j'imagine, mais en vrai de vrai t'as juste à rester à côté de ton écran et tu fais autre chose quoi. Mais bon. On la consomme de suite. Donc toutes les minutes, hein. Si j'arrive à avoir une malédiction qui fait que les effets périodiques arrivent plus vite, on aura des animaux plus rapidement aussi. Mais là, je cherche autre chose que je n'arrive pas à avoir. C'est très problématique. Je sais pas ce que c'est la faux qui tourne autour de moi, là. Enfin, pas la faux, mais je veux dire le buff de faux. Est-ce que c'est la faux qui tourne autour de moi ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. C'est la faux qui tourne autour de moi. Allez, ça ira pour le moins. 130 HP, c'est peu quand même. Étage intrigant, stock d'équipement. Étage intrigant. Alors, qu'est-ce que c'est? Un truc où faut pas prendre de dégâts. Ok.
quoi. Mais c'était nul, hein, on est d'accord. J'ai pas bougé et... On est d'accord que c'était nul, hein. Ouais, on est d'accord, hein, parce que bon, le... J'ai cru que je devais changer de slide, en fait, non. Tu restes tout droit et ça passe. Donc bon, pourquoi pas, hein. Ok. J'attends un peu parce que si j'avance, je vais aller au local technique. Et j'aurai pas les, j'aurai pas la régène des anima. Je vais prendre un peu de miel pour le sucre. Comment ça va avoir un goût bizarre celui-là? À consommer avant de préférence, voir sur le bouchon. Sur le bouchon, c'est évidemment tout effacé. Hein. Mais c'est vrai que le miel, il commence à avoir un goût bizarre. En même temps, le miel, il date du mois de janvier, je crois. Hein. Attends, j'avais mon extinction de voix. Allez, on attend juste une deuxième anima et on y va. Allez, la deuxième qui arrive. Bonne année. Allez, go. Ah, le Dumolard qui est sympathique, mais je suis obligé de prendre le local technique. Malheureusement. Pour booster ma défense, pour faire le crashing qui va m'aider à DPS. Dommage. Je vais pouvoir level up ça aussi. Hein. Ouais, du coup, je prends 5 d'attaque supplémentaires. J'invoque le crash en acier de manière périodique. Je crois que c'est toutes les genre 10 secondes. J'obtiens 3 de défense en plus. 312 balles. Il me manque 2 Solari. Putain. L'abus. Bon, on va utiliser le Prismium, quoi. ...156 plus 62, ça fait 158, 218... Oui, je peux augmenter les deux, très bien. Donc je vais augmenter ça, déjà. Oh, du vol de vie. Ma foi que c'est intéressant, ça. Et le mana, je suis à combien? Je suis à 100 de mana. Dans tous les cas, je peux le balancer 3 fois, en fait, les éclairs. On va prendre ça plutôt. Plus de dégâts et let's go, quoi. Et là, il prendrait 35 de dégâts, ok. Ok. Bureau du fléau Major Prescan. Alors, le Major, ça devrait aller. J'ai le stuff qu'il faut. Enfin, j'ai une faux qui peut me permettre de temporiser en l'air, donc c'est ok. Voilà. C'est toutes les 2 secondes en plus le crasher à peu près. Hein. C'est pas dégueu. Hein. C'est clairement pas dégueu. Cette journée qui n'en finit jamais. Et maintenant je dois m'occuper de vous, le parvenu en trifou de la gâchette. Outrache, vous regretterez ces insultes. Le pire accent allemand ever. Je regardais pas le bon endroit. Il pleut. J'ai plus le temps de sauter, je me suis foutu dessus.
J'ai pris un coup, je suis un petit peu lag. Y avait-il quelque chose d'insultant dans ce que j'avais dit à votre propos, Major? Vous êtes un parvenu, oui ou non? Oui. Oui, qui? Oui, commandant. Diable, capitaine. Bon. Donc jusque-là, ça va. Les games jusqu'à la, jusqu'ici, ça va. En général, je les tiens, ça va. Bon, sauf hier, mais hier, on va dire que ça compte pas. Mais à partir de maintenant, les ennemis vont être tellement tankés que je ne vais pas les tuer. Et ça, c'est problématique. J'ai rien. Oh. J'ai rien. Deux emplacements d'anima, ça peut être bien. Mais en vrai de vrai, pour stacker les animas dorés, ça va être compliqué. Je pense que je vais prendre la foudre, qui obtient 10% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes, avec 5 cumuls. Vu que la foudre, je la spam, en fait, elle tombe en permanence. C'est pas dégueu. Alors par contre, faut la prendre. Il me reste peu d'occasion de trouver la... On va dire la malédiction qui me rendrait complètement broken, quoi. De défense, on est à 13 de défense, c'est bien. C'est bien, c'est-à-dire que les pièges ne me font plus de dégâts, je crois. Par contre, j'ai aucune riposte. J'aurais dû prendre la riposte des HP max. J'aurais été tellement tanké. Et je pouvais pas savoir que j'allais pas avoir d'autres ripostes. Allez, relance malédiction. On y croit. Je dirais bien, là j'ai un stuff pour battre la vie, mais tout à l'heure j'en avais un aussi. Hein. Et j'ai réussi à mourir. Hein. Qu'est-ce qui fait 0 de dégâts? La faux? La faux fait 0 de dégâts, très bien. Mais elle fait proc la foudre qui elle fait des dégâts. Donc pourquoi pas? Oh. Oh. On a une grosse attaque. J'ai d'argent en l'autre sens, ça, par contre, ça c'est très chiant. Ok. Très bien. Local technique déjà. Bah oui. Ce sera le seul que j'aurai de l'étage, donc je vais y aller. Je vais améliorer la clé forte de niveau 2. Ce qui fait que je vais... charger encore plus vite ma barre de super. Donc voilà. La frénésie s'amplifie davantage à l'attaque. Je peux la mettre niveau 3, d'ailleurs. Je peux mettre aussi le spell level 3.
On va la mettre level 2. J'ai pas compté. J'ai pas compté. Il y en a 25 qui se sont mis là. Putain, mais non, c'est trop chiant que tu puisses pas annuler. On peut annuler. On peut annuler. Genre, en fait, la barre se vide pas. C'est genre, ce que tu mets, ça reste dedans. Ce qui est un peu con. 61 heures de jeu, du coup. Ok. Oh, j'ai remis une. Super. Chut, vous avez un vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va augmenter ça. Niveau 2. Voilà. Et là, ça me coûte encore moins de mana. Mais ça sert à rien, en fait, de le mettre level 3. Je l'avais jamais fait, donc je savais pas, mais ça sert vraiment à rien de le mettre level 3. Hein. Ça augmente pas les dégâts, en fait. Alors, désolé, je triche, mais complètement. Mais alors là, j'assume complètement. On n'est pas sur Isaac, j'ai pas 2000 heures de jeu. Donc je profite du fait que ça soit collé un petit peu avec le cul pour que quand tu quittes, tu recommences cet âge à zéro. Et on va full augmenter l'épée parce que le spell prend même pas 2 points de dégâts, quoi. Et c'est pour ça que je voulais monter level 3. Allez, c'est parti. Je préfère ça, plutôt. Du coup, j'ai le truc... non seulement j'augmente les dégâts du clay fort, mais en plus, j'ai la frénésie qui se recharge toute seule. Automatiquement, donc c'est très bien. Mais on a triché de manière honteuse, ça, je l'avoue. Bureau du Mollard. Oh merde, il met trop de miel dans la bouche. Ah, qu'est-ce que c'est pas bon le miel quand on met trop. Ah, bon. C'est parti. C'est gênant. On a l'ultime. La tournée sera mieux, je pense, parce qu'elle est multi-hit. Et par contre... Pardon. Je voulais voir les dégâts à la tornade, j'ai pris 2 hits. Mais bien. Oh, ils étaient bons ceux-là. J'ai déjà l'ulti hein, qui est revenu. Je pense que je peux cumuler les ultis. Oh, c'était pas fini. My bad. Je pensais que c'était terminé. Sur voilà, j'ai failli crever sur une arène. Eh ben, on va attendre pour se remettre full life, je pense. Ça va être très long, mais on va attendre. On va prendre ça. Hein. Ça serait bien, mais ça marche pas. En fait, ça marche que sur les animaux bleus, et je m'en fous. Donc on va prendre la riposte qui fait que j'ai des PV max à chaque fois quoi. J'aurais dû la prendre depuis très très longtemps. Le prix de la faux augmente à 25%, oui, parce que j'ai plus de local technique. Donc go. Et là, faut que j'ai un piège pour voir si je prends des dégâts des pièges ou pas. Est-ce qu'il y avait des pièges? Il y avait pas de piège. Je peux pas aller au magasin. Des poutres sous la rue, parce que des poutres sous la rue, il me semble que sur ce genre des... enfin, sur l'étage du temps, sur le département du temps, quand il est sous la rue, il y a des pièges. Faut te faire chier.
Et attends, mais ça va, le truc est déjà parti, quoi. Pourquoi je prends un coup? Ah bien, oui. On va jouer super safe et puis on va attendre. Hein. Je vais prendre ça, ça, 86 HP. Et puis je pense que ça devrait être bon. Ok, je peux spammer l'ulti. Sérieux? Et j'ai dash! Putain, il est parti où mon dash encore? Supportable. Ok. 61 HP. Là, vous savez quoi? À défaut d'avoir des dégâts, on aura des vies. Est-ce que je peux pas spammer ailleurs en fait? Si, je peux spammer ici. Très bien ça. Ah, par contre, je perds des vies quand même. Je perds des vies quand même. Je perds 2 HP alors que tout à l'heure. Attends, les pièges ont des dégâts différents. Genre celui qui est là, il fait moins mal. C'est ça? Pourquoi ce piège qui est là fait moins mal? Je comprends pas pourquoi ce piège-là fait moins mal. Vous êtes pas pressé? On va continuer tant que je suis pas full anima jaune. Ça vous va? En grosso modo 2 minutes maxi. C'est... Par contre j'hibite rien. Pourquoi ce piège là fait moins de dégâts? C'est complètement con. Non? C'est moi hein, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est très con. Vu que les animas ça remet des vies en pourcentage HP, en vrai c'est très bien. Bon. L'autre, j'étais bien à me baigner dedans là, mais l'autre il me met 2 dégâts quoi, c'est terrible. Énorme, descend. Allez, encore une quinzaine de secondes. T'es... YouTube pourra avancer si jamais il veut.
Donc on avait dit jusqu'à qu'on soit full anima jaune, hein, du coup. Je me remontais les vies juste, j'attends que les animaux bleus reviennent. En vrai de vrai, je fais ça encore pendant 2 minutes et puis on est bon après. Après, il n'est pas dit que si jamais, plus tard dans le niveau, il y a un autre endroit pour farmer facilement, c'est pas dit qu'on y repasse pas 2 minutes de plus, hein. Ah, si seulement je pouvais build mes dégâts en même temps. Oh, voilà, ça aurait été tellement fort. J'aurais déjà pris 50 de dégâts. On va se monter à 400 HP, je pense. Hein, en vrai de vrai. 400 HP, c'est pas dégueu. Ça vous va le bruit de la musique là qui saute en permanence? C'est pas dégueu. Hein. Donc voilà, sachez-le, si vous avez l'ombrelle, hein, si vous la montez niveau 3, vous avez 8 de défense. Ça fait que la plupart des pièges déjà nous font quasiment plus de dégâts. Si jamais vous avez de la riposte et la malédiction qui fait que les animaux se rechargent périodiquement, bah, franchement vous êtes immortel et vous pouvez faire un GB quoi. Après c'est pas pour autant que même si j'ai 8000 HP, je peux mourir sur la mort parce qu'elle a un pattern qui nous met à 1 HP. Donc voilà, à tout moment on crève. C'est pour ça que, pour la mort, j'ai n'importe quoi. Pour la vie, je me mettrai full anima. Si ça prend 10 minutes, ça prendra 10 minutes. Mais je veux avoir des anima pour la vie parce que je veux pouvoir contrer son pattern où justement elle te met un HP quoi. Allez, on se met à 400 HP. On va continuer le niveau. Hop. Ok. Très bien. Voilà, 400 HP, tout rond, c'est beau. C'est beau ça. Et pourquoi l'attaque... Je comprends pas pourquoi l'attaque sautée ne marche pas tout le temps avec l'ombrelle. Non, je comprends pas, c'est bugué. Hein. C'est bugué. Je vais être Keblo ici, je vais être Softlock. Où con. D'accord, elle a pas voulu proc. Est-ce qu'il faut pas faire quand même? Et on a la porte. Est-ce qu'on farme un petit peu plus les dégâts ou pas? Fais les dégâts. La vie. En vrai, on va aller se baigner là où il y a tous les pics. Oh, mais attends, on prend beaucoup plus. Et on prend des dégâts max en plus. Très bien. Alors, on sort. Pourquoi ces pics-là font horriblement mal comparé aux autres? Ça, par contre, c'est un mystère. Hein, que les pics n'aient pas tous le même dégât. Je comprends pas. Hein. On va attendre que je sois full anima et full life. Et en attendant, on va se farmer les vies. Voilà. Donc toi, YouTube, tu peux avancer directement. Je pense que là, on en a pour à peu près... Oui, voilà. Le temps que je sois full anima, déjà, donc on va dire anima jaune,
Il faut 6 minutes. Et entre temps, il faut que je me remonte mes vies, donc... Donc on en a pour un bon moment, parce que là je pense qu'il me faut 3 animaux jaunes pour... être full life. Ça va être très chiant, ça va être très très chiant, surtout que bah, il reste pas là-dessus, donc... J'en suis où les étages? Est-ce que le prochain c'est le dernier ou pas? Je m'en rappelle pas. Est-ce que je peux voir où j'en suis? Je peux pas. Je peux pas voir à quel étage j'en suis, hein. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas où j'en suis. Parce qu'en vrai, si je suis pas au dernier, ben tout simplement, je fais les tâches qui arrivent, tu vois. Et on attend que les animaux reviennent le temps que je fasse le trajet. Mais si je suis au dernier déjà, ça veut dire que le prochain, c'est les Brigitte et le temps, ben je préfère attendre que les vies reviennent, quoi. En vrai, 2 animaux jaunes, ça devrait suffire. Putain, mais le truc me fait tomber direct, hein. Je rappelle que j'avais 200 et quelques HP, hein. Il me semble bien. Allez, dans 2 minutes, on se remet les vies... Les vies manquantes. Alors, 1 minute 30, on se remet les vies. On aura le temps de passer à 600 HP, je pense. Vous imaginez un petit peu si ça avait été la riposte des damage. Là j'aurais déjà eu plus de 200 de dégâts. C'est à dire que mon crachin, chaque hit du crachin fait 260 de dégâts. Si les dégâts proc sur la foudre qui proc de mon crachin fait 250 de dégâts. N'importe quel hit de ma tornade ferait 250 de dégâts. Ça aurait été excellent. Mais non, c'est de la merde. Alors j'utilise pas de suite. Hein. Attends, mais par contre je suis en train de capter que je suis en train de me remettre des V-Max en fait. Genre j'ai la jauge de blessure qui s'éloigne de plus en plus. Je vais voir flou, on va arriver sur le boss, je vais rush dans ses patterns. Ça va être terrible. En mode faut que je prenne des dégâts. Sauf que le boss il me mettra pas 0, le boss il me mettra 40 ou 50. Donc bon, ce sera différent. Allez, bientôt l'anima. Et après on y va. Quoique, parce qu'en vrai, pour être productif, quitte à attendre que les animas se rechargent, autant se flinguer les vies pour augmenter ses PV max, quoi, tu vois. Du coup, c'est complètement... Ouais, non, en vrai... Soit je ferai un cut moi-même pour que YouTube n'ait pas à attendre. Soit YouTube fait un x2 quoi. Dans le doute. Hein. Ou alors aller skip directement au moment voulu quoi. J'attends la 3e anima jaune. Hein. Pour être sûr.
Parce qu'en fait, si j'utilise une anima, là, c'est pas 2 minutes qu'il faut attendre pour une anima jaune. Enfin, c'est pas 1 minute, c'est 2 minutes. Donc autant 600 HP, let's go. Autant directement voir l'anima jaune. Oh, triple hit. Ça sent. Donc une anima dorée c'est 8% HP, très bien, donc 8 et 8, 16 et 8, 24. C'est à dire que je peux me remettre un quart de mes vies. Un quart de mes vies, un quart de mes vies, un quart de mes vies, faut que je compte. En fait je suis en train de regarder, lâche ça. Ouais je voulais voir si je pouvais, comment dire, me... Si je pouvais me baigner d'un petit peu dans le dans les autres pics qui font plus mal mais qui proc plus vite quoi. J'attends juste une anima bleue et on y va. Je vous jure on va y aller. En vrai je devrais juste attendre d'avoir toutes les animas full. Hein. Au moins, si elles sont pas full, au moins en avoir deux jaunes. Deux jaunes, une bleue. En vrai de vrai, vous savez quoi hein? On n'est plus à ça près, je pense. Vu qu'on se fait bien chier, que je pense que tout le monde est déjà parti. On va attendre d'avoir deux animas jaunes et une bleue. Donc ça, là, ça fait 2 minutes de plus à attendre. Et je pense qu'on va passer la barre des 700 HP. Hein? Oh, ça aurait été tellement bien, les gars. De plus en plus loin. Et je trouve ça bizarre que le jeu soit pas codé pour justement t'empêcher de faire ça, quoi. Que les pics te mettent de plus en plus de dégâts, ou alors que... qu'ils te mettent un pourcentage de tes HP, en fait. Qui passe à travers l'armure. Même si c'est pas un pourcentage HP, genre, un truc qui passe à travers l'armure. Allez, plus qu'une minute. Je suis en train d'oublier de comment on joue en fait. Là, mon job, c'est juste me foutre dans les pics. Bon, même si la vie me met 42 dégâts, au moins, j'ai de quoi tanker. Ce qui me fait peur, par contre, c'est son pattern qui me flingue toutes mes vies. Hein. Allez. Encore 10 secondes à peu près. On va quand même faire ça propre, c'est-à-dire qu'on va arriver... Voilà, à 750. Allez, c'est parti. Non mais putain, ça c'était pas voulu par contre. C'était clairement pas voulu parce que là techniquement il faudrait que je recommence à me soigner en fait. Alors pourquoi je me soigne? Parce que je sais très bien que je vais passer à peu près 8 ans ici. Et du coup les animaux ils auront le temps de se recharger, c'est bon, allez. Salut Zio. Bon, voilà, si seulement on avait eu la riposte des dégâts. Donc j'ai bien fait, c'était le dernier. Oh la riposte en dégâts m'aurait mis tellement bien. C'est parti les Brigitte. Le cauchemar.
savez quoi, on va attendre. On n'est plus à ça près. C'est bon. Non, en vrai, j'attends juste que la deuxième anima bleue arrive, que j'ai de quoi me remettre des vies si jamais. Et on y va, après. Donc là, il faut quoi, attendre 30 secondes. Très bien. Très bien, très bien. Hop. J'ai me flingue les genoux. Faut que je remette les semelles. Là, ça fait 3 jours que je suis pieds nus parce qu'il fait trop chaud et tout. Mais j'ai plus les semelles et dès que je marche, je le sens que mon genou, il revient pas, hein, putain. Syndrome rotulien, c'est chiant. Et quand t'en as deux, c'est encore pire chiant. C'est encore pire chiant. Allez, go. À moi, les Brigitte. Non, par contre, me casser pas les couilles. Oui, parce que c'est vrai, j'ai ulti illimité aussi. J'ai quand même réussi à prendre un hit. Hein. En fait, si je fais l'ulti du parapluie, les hits de l'ulti du parapluie me rechargent l'ulti entièrement. Il y croit, lui. Alors, on a quoi? Je l'ai maintenant! Et j'ai plus rien pour me faire des dégâts. Oh, le jeu se fout de ma gueule. Y'a pas de piège. Je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège à ce niveau, c'est obligatoire. C'est sûr et certain qu'ils vont pas mettre de piège à ce niveau là. Putain, si c'était comme Isaac ce jeu qui avait des bombes. Oh, je me bomberais la gueule. Hein. Allez, un petit pic là. Un petit pic. Oh, y'a rien, vas-y, ta mère, le jeu, ta mère, tu me la files un étage, enfin, une malédiction trop tard, quoi. En vrai, je vais voir les dégâts qu'il me met. S'il met pas trop de dégâts, je forme sur lui. Tu tombes presque bien, cher ami, j'ai justement une excellente énigme pour toi. Qu'est-ce qui commence sa journée à quatre pattes? Toi? Car dès que j'en aurai fini avec toi, tu vas devoir ramper pour ramasser tes dents parce que j'aurai fini réduit ta face barbue en morceaux. Tu mets combien de dégâts, beau, gros? 88, 59, ça fait quand même un peu. Hein. Oh, là, celui-là, je voulais l'éviter, je vous jure. Oh oh oh, t'as le seum, eh, dis. M'en fous. Ah bon, les gros. M'en fous. M'en fous. C'est quoi, je te tue à la pluie? M'en fous. Je vais full régène, alors je m'en fous. Clairement, je laisse. Je laisse me frapper. Non, le crachet. Bon, on a farmé une quinzaine de dégâts. En vrai, ça va. Fais quoi, vous connaissez pas la réponse. Vous faites nul. C'est l'être humain, la réponse. Elle est hyper connue, celle-là. Faudrait voir un patron prendre pour une bille, non plus.
Même, je vais te dire, une chaise, c'est aussi une réponse valable pour cette énigme. T'as qu'à te creuser pour comprendre pourquoi. Une fève, mais ça n'a aucun sens. J'ai quand même perdu 500 HP sur le... Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut pas avoir les dégâts. Attends, si, peut-être. Peut-être que... Non. Non, non, non. Putain, j'ai quand même eu celui-là en premier par rapport à celui-là, quoi. Du coup, c'est pas marqué le nombre de dégâts qu'on met. Très bien. Allez, on attend. Je suis désolé, hein. Je suis désolé sur le live, parce que sur le live, vous pouvez pas faire avance rapide. Mais là, on attend 6 minutes, voire même 8 minutes. Parce qu'on va attendre d'être full anima jaune pour récupérer les full vie. Quoique, ça vaut pas forcément le coup d'attendre, parce qu'on a des animas juste après. Je suis quand même bon seigneur, hein. Allez. Salut à tous les amis. Bon. Tac. Alors, on a quoi? On a quoi? Ben ça. Ah non, la four en fait. Ah non, l'effet périodique en fait. C'est soit je prends ça pour augmenter mes vies plus vite, et dans ce cas on n'a pas à attendre 30 ans. Soit je prends ça pour attendre deux fois moins de temps. Soit je prends ça pour mettre des dégâts de ouf. En fait, les dégâts, je les ai déjà. On va prendre l'effet périodique. Vous savez quoi? Parce que je suis bon prince, parce qu'en vrai de vrai, l'effet périodique ça me fait gagner 5 minutes. Les animaux qui mettent 15% HP ou la fois 35% de dégâts, ça me fait gagner la run, à coup sûr. Donc, je suis bon prince parce que clairement, je pourrais ne pas faire ça. En vrai, j'ai aussi la flemme d'attendre. Parce que vous, sur YouTube, soit la vidéo est cut, soit vous pouvez avancer. Nous, le temps, on se le tape pour de vrai. Hein. Donc voilà, là c'est 35 secondes, je crois. À peu près 35-40 secondes au lieu de 1 minute pour une anima, donc ça va aller quoi. Voilà, t'es, il fait 22 dehors, vous vous rendez compte qu'il fait quand même plus 10 degrés chez moi que dehors, quoi. Dès que j'arrête le live, j'éteins tout, j'ouvre tout, je fais un maximum de courant d'air. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air. Je vais créer un courant d'air artificiel via les deux ventilateurs que j'ai. Oh, ça va être trop bien. Je sais pas si ça va marcher, mais ça va être trop bien. Oui, c'est vrai que la pluie proc en permanence. C'est vrai. Par contre, la faune ne se cumule pas, elle s'est refresh. Ça, c'est dommage. Mais l'ombrelle est très très forte. Parce que dès que tu la mets niveau max, t'as la pluie qui proc, qui proc très souvent, donc ça te fait des hits. Ça, t'as 8 de défense, donc... Là j'ai 0 de défense dans mes malédictions, clairement. Hop. J'ai 0 de défense, j'ai que la défense de l'ombrelle, vous avez vu. J'ai pu farmer sur un piège quoi. Ah,
Allez, on attend. Attends combien? Vous savez quoi? Je vais chronométrer. Hop, voyons voir. Combien de temps exactement ça prend? On est full live, donc c'est bon. Mais je pense, normalement c'est 35 secondes. Si j'ai fait des quick maths, mais si jamais les quick maths sont bons, c'est 35 secondes le truc. Non, comment ça, c'est pas possible. Non, ça va être 35. Ça va être 35, du coup, il me faut 2 minutes 30. Il me faut 2 minutes 55 pour récupérer toutes les animaux que j'ai besoin. Donc, je vous dis à dans 2 minutes 55. Je pourrais même aller pisser, mais le problème c'est que le jeu va se mettre en pause. En vrai, je vais aller pisser. Je bouge la manette. Dès que je suis le plus loin possible de mon PC. Allez, je reviens. Évidemment que le jeu s'est mis en pause. Il s'est mis en pause il y a longtemps ou pas? J'ai joué qui se sont détachés. Du coup, il nous reste combien? Il nous reste 30. Oui, il nous reste, allez, une petite minute à attendre. Allez, 30 secondes encore à attendre. 3h11, ça va, ok. Donc ça fait qu'une petite minute. Ah mais attends, je vais pouvoir envoyer ces projectiles comme ça. Faut que je pré-shot parce que l'animation est longue quand même, entre le moment où je le fais et entre le moment où ça part. Mais comme elle a pas mal de projectiles, je devrais pouvoir les renvoyer. Ça va être good. Allez, 795 HP, 100 points de mana. En termes de stats purs, je suis énorme. Alors que si on aurait une petite rose là, tu te fous des petits coups sur la rose là? Clairement. J'y serais allé, hein. Sans rire, j'en ai marre. Il me semblait qu'on était plus ou moins en froid tous les deux. Pourquoi tu refais surface maintenant? C'est la loi du business, loser. Tu me manques de respect une fois, tu dis adieu à ton monopole. Ton monopole. Et soyons cash. T'es à la ramasse. Moi, je suis toujours au top, donc laisse-moi refiler... Death Inc. autant. Et toi, tu retourneras là où tu es censé aller. À défaut de sable, t'auras la poussière. Enfin bref, t'as compris le principe. Hashtag fusion, hashtag acquisition du grand... At Nathalie, t'es trop belle. Voilà, alors je rappelle, hein, allez vraiment voir At Nathalie, t'es trop belle, c'est un compte qui existe. Hein. Voilà. Ça existe sur... En tout cas sur Instagram, probablement sur Twitter aussi, mais... voilà, sur les réseaux sociaux, ça existe. C'est parti. D'accord, je me suis fait cancel direct. J'ai Alt F4 le jeu direct en espérant que c'est pas comptabilisé la mort et que je recommence l'étage. Je suis en train de faire le malin, moi en train de spammer mes spells. Rien à branler de mes vies. Je l'ai pas vu son spell. Je l'ai pas vu. Au moment où je suis mort, j'ai vu que oui, il y avait le truc en l'air qui flottait. Mais il est parti quand? Oh, dis-moi que.
Oh, mais nique ta race, putain! Attends. Non, j'ai bien vu, hein. On est au départ. Putain! Ah. Bon, YouTube, j'espère que ça t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais aller me pendre, je pense. Voilà. Donc, j'étais déjà en train de réfléchir au nom de la VOD. Il pleut sur la vie, etc., etc. Parce que le pire, c'est que c'est pour ça que j'ai rechargé les animas. C'était pour ce pattern-là, mais je l'ai pas vu. Elle me l'a fait quand? Est-ce que c'est quand elle rentre en phase 2 direct et te le fait? Je sais pas, c'est peut-être possible en vrai. J'ai aucune putain d'idée. Et je le saurai que quand je montrerai la vidéo. C'est-à-dire dans plusieurs semaines. Oh, mais j'ai tout fermé, comment ça? J'ai même fermé mon retour Twitch et tout, quoi. J'ai tout fermé, attendez. Elle ou ma souris? J'ai pas fermé le live, non, c'est bon, elle est toujours en live, hein. Putain. Ah non, tais-toi. Putain! Mais fais chier, parce que hier j'ai fait que de la merde, hier je suis mort sur des trucs dégueulasses. Et là aujourd'hui ça va, je joue mieux, mais... Enfin je joue mieux, mais non en fait, je joue pas mieux. Juste j'ai un stuff complètement broken et je fais de la chiasse, j'ai chié sur mon clavier, merde. Bref, bisous YouTube, à la prochaine. J'en ai plein le cul parce qu'en plus on s'arrête là quoi. Le pire c'est qu'on s'arrête là, j'ai plus envie de jouer. C'est fini, j'ai plus envie de jouer, on va aller torturer les duplicants parce que là j'en ai plein le cul. C'est tout. Putain. La vie de ma mère. Oh je sue, j'en peux plus là. Ça m'a tellement foutu un seul immense. Hein, frère.